Économie malgache, les opérateurs plus optimistes. Les opérateurs économiques malgaches sont plus optimistes car ils estiment que la situation au pays leur sera plus favorable étant donné que le premier tour du scrutin du 25 octobre dernier s'est déroulé sans incident majeur malgré quelques failles d'ordre organisationnel. Le président de la Chambre de commerce d'Antananarivo, Jean-Martin Rakoudzaf, s'est exprimé à ce sujet. En tant qu'opérateur, d'abord, nous nous félicitons de la tenue de ce premier tour des élections qui s'est quand même déroulé dans une bonne ambiance et en majeure partie dans la sérénité. Ce qu'on demanderait, c'est qu'il y aurait un deuxième tour, si deuxième tour il y a, beaucoup plus calme et beaucoup plus réussi que ce premier tour, donc, et qui permettrait à tous les opérateurs de reprendre sereinement leurs activités. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même 4 ans, même plus, un peu plus, que nous sommes dans la crise. Actuellement, les opérateurs malgaches ont besoin de trouver de quoi investir de nouveau. Donc, les plans qu'ont fait les groupements professionnels tels que le FIFPAMA ou le GEM, on en a parlé, et toutes les organisations satellites et adhérentes, on cherche les moyens de pouvoir sortir donc, de cette situation. Voilà ce qu'en un mot, je voulais vous dire. Le président de la Chambre de commerce d'Antananarivo a rappelé qu'un plan de relance économique établi par l'Association des opérateurs malgaches FIFPAMA et le groupement des entrepreneurs malgaches GEM existe bel et bien.